Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette guidance générale pour ce week-end, je veux dire cette semaine, non, pour ce week-end du 12 et 13 février. Jérôme jérôme.energeticien80@gmail.com si vous souhaitez une guidance personnalisée, une consultation ou un soin. Et sachez que bientôt un numéro de téléphone sera également disponible. Allez, quelles sont les énergies de ce week-end? Bien sûr, vous pourrez me contacter sur WhatsApp. Vous pourrez me contacter. Voilà, si vous n'avez pas WhatsApp, ce n'est pas grave, mais vous pourrez très bien me contacter. Mais sachant que forcément, voilà, par exemple, le soir, à partir d'une certaine heure, je ne répondrai pas. Je répondrai, on va dire, durant certains horaires de la journée. On a le silence. Nous avons le travail. Ça fait penser à quoi? Ça fait penser au travail que vous avez fait, que vous avez effectué. C'est pas le travail, le fait du travail. Enfin, dans un premier temps, c'est pas le travail que vous avez, que vous faites, mais c'est le travail que vous avez fait sur vous-même. Moi, ce que je ressens, ce que j'ai ressenti avec la carte là, c'est il y a eu du travail. Voilà, vous voyez, et ça, je pense que vous en êtes consciente ou conscient qu'il y a eu du travail qui a été fait depuis tout ce temps pour en arriver justement où vous en êtes arrivé. Allez. L'amour. Alors ça peut être une rencontre à travers le travail. Hein. Via le travail, hein. Vous voyez cette fameuse rencontre qu'on vous a déjà parlé. Tu feras une rencontre par ton travail. Eh bien, c'est possible. On a l'ordre. Vous voyez, parce qu'en parlant de rencontre par le travail, moi j'ai cette notion qu'il y a une personne, un de vos collègues ou une de vos collègues, à qui vous plaisez ou qui a des sentiments pour vous depuis un moment. Et qui là, peut-être durant ce week-end, va vous inviter, va vous proposer un tête-à-tête, va vous proposer de passer la soirée ensemble. Et ça va vous étonner. Pourquoi? Parce que vous parlez pas tellement, pas que cette personne ne vous apprécie pas, mais c'est une personne, on va dire timide, une personne qui, alors peut-être que vous savez de qui on parle, qui habituellement, voilà, qui est au travail, eh bien n'est pas du genre, n'est pas au travail pour raconter sa vie, mais est au travail pour travailler, simplement. Et que peut-être que justement cette personne vous intriguait. Parce que vous vous êtes dit, mais il parle pas beaucoup de sa vie, il se confie pas beaucoup, il a l'air sérieux, on n'arrive pas à savoir quel genre de personne que c'est. Ou peut-être que c'est vous, justement, qui avez. Puis à un moment des sentiments pour cette personne qui avait ou un attachement qui avait de l'attirance, qui vous souhaiterait en tout cas connaître, faire plus en plus connaissance avec la personne, ben parce que pour vous, vous ne la connaissez pas assez, parce que ça vous embête, pour pas dire autre chose, de la croiser tous les jours, mais que depuis le temps, eh bien, vous connaissez pas plus sur cette personne, que cette personne est trop mystérieuse pour vous, cet homme ou cette femme. Vous voyez ce fameux collègue? On a la méditation. Et on a l'épreuve. Alors, pour moi, l'invitation, ça peut être soit le samedi soir, soit le dimanche soir, mais en général, ce sera plutôt, je pense, ce samedi soir. Parce que peut-être que vous, en plus, vous voyez, au début de l'année, j'allais dire, au début de la semaine où je parlais
D'habitude, ben, oui, mais moi, d'habitude, moi, c'est pas dans mes habitudes. Peut-être que vous, le samedi soir, vous avez plutôt l'habitude d'être chez vous et que vous n'avez pas l'habitude d'être chez d'autres personnes, ne serait-ce que même chez votre, même chez les membres de votre famille, vous aimez bien le samedi soir être chez vous et encore moins l'habitude ben, d'accepter comme ça une invitation de la part d'un collègue ou d'une collègue. Mais forcément, ça va vous sortir de votre zone de confort. Non seulement le fait voilà, d'accepter une invitation de la part d'un collègue ou d'une collègue, mais le fait que, à ce moment-là, le moment proposé, eh bien, vous ne serez pas chez vous, ou en tout cas, vous ne serez pas en train de faire ce que vous faites habituellement chaque semaine à ce moment-là précis. Voilà pour les énergies de ce week-end. Merci pour votre présence. Passez une bonne journée, une bonne soirée, un excellent week-end. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez, et je vous dis à bientôt.